Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Kingdom Hearts 3. J'ai pas trouvé le moindre crabe. Pour toute cette île. Donc, fuck it, j'ai fait tout le tour, j'ai même découvert qu'on pouvait aller dans la prison. J'ai trouvé un bon paquet par contre de Lucky Emblem, je crois que j'en ai trouvé 3, au moins 5. 4 voire 5. Ce qui est assez pété. Sachant qu'il nous en faudra un total de 60 pour débloquer la fin secrète. Pour ce mode standard de difficulté. Il en faut 30 en version proud. Et 90 je crois en... En beginner, donc en nouveau joueur. On est ici déjà? Ça nous a emmené jusque là? Faut qu'on aille où nous? Là. Très bien, moi j'ai envie de visiter les îles donc ça tombe mal. Voir un petit peu ce qu'il y a dans le jeu d'intéressant, même si j'ai pas l'impression qu'il y avait une île sur laquelle je voulais aller, mais le jeu m'a pas laissé y aller. Il y a des mugs sur une des îles d'ailleurs là. On va y aller. Hop. L'objectif c'est de voir si en fait les crabes à la base on n'était pas censé les trouver en pleine mer. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah il y a une île aussi où on peut se poser apparemment. Bah oh, ça passe large! Arrête tes conneries! Et vous voyez, je suis à pleine cale, pourtant j'arrive pas à avancer. Cela dit, pleine cale à la base, c'est ça veut dire que je suis plein, et donc du coup... Oh, bah tiens. Hop, au revoir. Il a survécu. Wow! Habituellement, quand je tire dans le verre, ça... Ça one-shot. You are a pirate! Do what you want, cause a pirate is free! Il y en a un derrière nous, c'est ça? Ouais. Ouais, viens par là. Raté. Aïe. Touché. Touché. C'est bon. Voilà. Merci. Au revoir. Mais je m'en fous. Oh, nos amis nous attendent. Mais je m'en badigeonne les couilles avec le pinceau de l'indifférence. C'est par là que je veux aller. Il y a forcément quelque chose sur ces îles. Hein? Non? Hop les! J'espère qu'il n'y en a pas sous l'eau. Que s'il y en a... Oh là là, c'est pas rassurant. Il y a plein de trucs sous l'eau que je n'ai pas vu. Ah. Donc ce passage sera peut-être complètement accéléré au début de la vidéo. Hein. Des crabes! Des crabes! Oh de Dieu! Il y a des crabes à récupérer sur l'île. D'accord, donc faut sortir de Port-Réal parce que les crabes, il n'y en a plus à Port-Réal. Très bien. Les crabes sont plus importants que les ennemis, hein, qu'on soit bien d'accord. Très bien. Couché. Couché. Des crabes! Il y a des crabes partout, mais ça, pas là où je cherchais à la base. Je viens de faire une heure dans le vent. Des crabes! On y est presque en plus, hein, en termes de level up. J'imagine qu'il faut quand même avoir un minimum level up avant de... De continuer, non? Apparemment, j'ai tout fait sur cette zone. On va aller voir là-bas. Je peux pas... Ah! Nice, Ulu! Hop là. On reprend. Je suis curieux d'aller voir là-bas. Il faut pas que je m'approche de trop de la zone, j'imagine. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Curieux d'aller voir en fait ce qu'il y a sur les différentes îles. Normalement, c'est l'île où il y a les pendus, mais j'imagine que Disney va pas avoir mis les pendus dans un jeu pour enfants, entre guillemets. Ça serait stylé, cela dit, hein. Oh, septentrional. Stylé comme nom déjà de base. Ah, on voit qu'il y a un passage un peu plus haut, avec un mug pour sauvegarder. Alors. Forcément. Ah, c'est à l'arrière. Hop là, et de 1. Et de 2. Ah, raté. Non. J'aurais vu ça. Ah non, c'est lui qui se déplace. Ah bah, je l'ai eu. Wouh, j'ai gagné des crabes. Canon latéraux 14, canon de proue 4. Nice.
plein de poux, j'ai des canons à l'avant. Ah ouais, apparemment. Oh, je suis large en termes d'espace. Ah oui, non, il y a des fonds. Sans toucher l'eau. Ah, et non, c'est baisé. Non, c'est bon. Oh, j'ai touché avec le pied. Mince. Ouh, je vous aime pas, vous. Non, sérieusement, les gars, non. Toi, tu quoi, tu vas t'arrêter, tu vas prendre tellement cher, mon pote. Aïe. Et deux, un, merci. Ah ouais, forcément. Tiens, ça t'apprendra. Tasfall, boum. Il y avait OX aussi. Je sais pas si ça va marcher des masses, Tasfall. Oh bah non, s'il y a plus personne, c'est nul. Il y avait un encore à droite, mais bon, voilà quoi. Oui, je casse tout exprès, et alors? Oh, ça a dû faire tellement de crabes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il pulsait le déferlement. Nice. Il y avait un... C'est moi, il y avait un très très gros truc. Ah oui. Allez, je confirme. Peut-être que je vais pas être suffisamment fort pour ça, par contre. Hop là. Oui, ça va, il me tape. Ah, très bien. Je sais pas pourquoi dans ma tête l'eau ça leur fait beaucoup plus de dégâts vu qu'ils sont en sable. Sans doute parce que j'ai trop joué à Pokémon dans ma vie. Oh merde. Il faudrait que je passe sur la neige cristalline. Ah oui, ça m'intéresse, Donald, y'a pas de soucis. Répétez. Ah bah finalement, c'était pas terrible, Donald. Ah bah écoute, je vais garder ça pour moi. Ok. Est-ce que je peux toucher mes adversaires quand je leur tire dessus, s'il vous plaît? Aïe. Hop là. Eh bien, parfait. Masse dégâts du coup. Et boum. Très bien. Salut. Il est plus petit que les autres. Il n'est pas bon signe. Plus c'est petit. Ah, j'ai les lames du bizarre, ça y est. C'est quoi? Ah, j'ai des épées et des trucs au pied aussi apparemment. C'est stylé. C'est stylé, je confirme. Je m'attendais à mieux. C'est vrai. Donc en termes de dégâts, voilà quoi. On n'est pas sur les ennemis les plus simples à abattre. D'ailleurs, je crois que je vais pas en avoir abattu un pendant tout le mode. Puis, ouais, voilà, en termes de dégâts, c'est pas... Alors vas-y, fais péter. Oh, tout à fait à la reine des neiges, et en plus c'est buggy à cause du sable de l'ennemi. T'as pété le lustre. D'accord, ok, très bien. Parfait, on a eu un. Il doit y avoir un truc avec ces mecs quand même. Genre ils rapportent masse XP ou un truc comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est son pote qui a pris. J'ai pas complètement perdu mes attaques. Merci, c'est gentil, il y a des crabes. C'est pas passé loin. J'ai pris des dégâts pendant l'animation ou c'était moi? Ah merde. Vous voyez, limite, cette attaque là est bien plus puissante que ce qu'on avait tout à l'heure avec les épées quoi. Comme si c'était situationnel en fait. Ok, lui on l'a eu. Bien. Vous voyez, regardez, on va refaire les lames du blizzard pour la forme. Après, il y a le bonus de fin qui doit être pété en termes de dégâts de zone, j'imagine. Tu veux bien revenir? Et c'est pas quand je fais une attaque spéciale que tu dois te barrer normalement. Vous voyez, regardez, en termes de dégâts, c'est pas... Ça va peut-être plus vite, je sais pas. Je m'en rends pas compte. Bon, en tout cas, on les a rect. Ah, c'est...
Ça par contre c'est fun à voir. Enfin, pour moi. Le fait que ça fonctionne de cette manière, c'est fun. Et le fait qu'il te récompense avec des tonnes de coffres pour t'être arrêté sur l'île, c'est pas mal non plus. Acier Dama. Ah, nice. Bracelet Brasier X, la vache. Acrisius. Rat de coup Glacier X, dis donc. Ça valait le coup de s'arrêter, ça doit être... Oh, dis donc. Quantité d'objets. Anneau Royal. D'accord, augmente les PC Max. J'ai quelque chose qui en a réellement besoin ou... Non, apparemment non. Donc on va faire les autres. J'en ai pas d'autres, très bien. Poignée plus, ok. Les rats de coups, la chevalia du chaos, mon élément, c'est que la résistance aux ténèbres, d'accord, ok. Acrisius, même la main défense de l'élément, sous vos ténèbres, d'accord, ok. D'accord, très bien, bon bah écoutez. Fuck! C'est pas les ingrédients que je cherche, mon cher dingo. Ce sont des crabes, comme là! J'ai l'impression que le prochain niveau, il est dans 3 plombes. Ça dit, il y a beaucoup moins d'ennemis que tout à l'heure. Déjà ça. J'ai l'impression qu'en fait l'île est ridiculement petite vu qu'il n'y a que cette zone là qui est explorable. Ah, il y a des trucs ici. Je vais aller chercher. Oh là-bas. Ah, ça doit être l'île avec les mugs. On part juste avant de partir dans la mission principale. Très bien. Au moins on sait qu'on pourra être plus ou moins... on va pas dire sauvé mais presque. Une boîte en métal, on est d'accord là. Je pensais que je devrais la casser avec un coup puissant, mais non. Ok. Noix de coco. Alors quand il y a des noix de coco, apparemment... Bah tu vois, dans l'autre... dans la ville, quand il y avait des noix de coco, il y avait des crabes dedans. Donc légère déception. Non, il n'y a pas l'air d'avoir un passage là ou... Eh, secrets everywhere, hein. Eh ben non. Tant pis. Bon les amis, j'ai fait le tour de toutes les îles. J'ai récupéré, je crois d'ailleurs, tous les Lucky emblèmes, tous les emblèmes fétiches. Je voulais aller sur l'île avec le point de sauvegarde, malheureusement apparemment je n'y ai pas droit. Très bien. Et je dois être au niveau 8 ou 9 parce que j'ai récupéré Mass Crab, du coup. Mais bon, mis à part ça, pas extrêmement intéressant comme gameplay. Je vous le mettrai pas, hein. C'était très très nul. C'était tuer des 3 ennemis, avancer, changer d'île, tuer des 3 ennemis, avancer. Yes, one must simply marvel at your celerity. But such compulsive behavior is eventually going to bring you nothing but sorrow. Forcément. Et donc du coup j'ai beaucoup plus de canons. On avait 2 canons je crois au début en proue, j'en ai 8 maintenant. Je suis passé de 12 à 18 canons sur les côtés. Alors je sais pas s'ils se voient les canons en plus, si le bateau semble plus imposant mais... Ça devrait être assez rapide en règle générale les combats navaux... Oh là, oh là, ça c'était très très moche. Hors de portée. Allons-y. Bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je tourne? Je me suis fait rentrer dedans ou quoi? Ah non, il y a des cailloux, il y a des fonds en fait, juste à côté de nous. Hop là. Et de 2. Et de 3. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement intéressant comme combat. Ah, je l'ai raté. En reprenant une deuxième petite salve, voilà. Lui, je l'ai pas loupé. Lui, il est hors de portée. Très bien. Reste-y. Ah. Tu changes de sens? Moi aussi. Et donc, voilà, c'est assez... assez simple. Disons qu'on a connu des jeux qui étaient un peu... Bon, c'est pas le but du jeu, tu me diras. Hein.
C'est une des fonctionnalités du jeu, c'est de te proposer des batailles navales. Elles sont pas intéressantes, elles sont fun, mais elles sont pas extrêmement intéressantes comme méthode, mais elles sont vachement fun. Fallait y penser, ça a été bien fait. Ah oui, parce que maintenant j'ai le déferlement, c'est une espèce de dash. Raz de marée, c'est quoi? Ah, d'accord. Ok. Je crois que j'ai fait des dégâts. Très bien. Oh, il y en avait d'autres. Quel dommage. Oh là, il y a même le boss qui arrive. Ah non, il s'en va en fait. Autant pour moi. Ah, je suis pas dans la bonne direction. Ah mais écoute, c'est pas plus mal finalement. Alors, vous allez voir que ça fait masse dégâts. Hein. Une fois de plus. Le deuxième aussi. Hein. Et de 1, je rentre dans des choses hein, apparemment, parce que le vaisseau fait des demi-tours à la con. J'arrive pas à tourner suffisamment vite, c'est bon, là je vais l'avoir par contre. Ah bah oui, ça pardonne pas, hein. Quand tu touches le truc bleu, ça pardonne pas. Là-bas, je vois. Je sais pas pourquoi ça devient rouge de temps en temps, mais j'imagine que ça veut dire que je touche. Non mais arrêtez de disparaître. Bah. What the... Oh, ouais, ok. C'est un poil pété cette histoire, hein, si je peux me permettre. Boum. Ah là, ça t'apprendra. À essayer des choses sur moi. Get wrecked. Ah, ça fait mal, hein. De vivre sans toi. Hop là. Boum. Ça a été puissant. Ça a été extrêmement puissant. Ça tombe bien, j'en ai un deuxième, regarde. Hop là. Et j'ai obtenu OX. Comme c'est étonnant. C'était quand même vachement fun. Finalement, avoir un gros vaisseau de temps en temps, c'était pas plus mal. Faudrait qu'on en ait plus, mais... He's plotting to swipe the chest in the heat of battle. To Shipwreck Cove. Oui, monsieur. C'est Maître Donald et Monsieur Dingo. Bon, là voilà la petite île que je voulais atteindre, je pense. Voilà. Qui est celle du fameux point de sauvegarde, parce que ça fait bien une heure et demie, une heure que je joue, on va dire. Et, j'aurais bien envie de sauvegarder depuis, parce que je fais le tour des îles. Il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde, une fois de temps en temps. Hop là. Ok, et j'ai trouvé quelques adamantines, quelques aciers d'amas pour pouvoir remonter un petit peu le niveau de mes Keyblade, simplement. Hein. On va aller voir ça rapidement. Il va falloir que je place OX à la place 2 aussi. Vous avez vu la quantité de mana que ça me prend. Personnaliser, set de raccourci, O, OX. J'ai pas foudre OX, j'ai que foudre et O hein, pour l'instant. En X, on est d'accord, hein. Oui. Oui. J'ai pas encore essayé aussi Ariel, l'invocation d'Ariel. A voir. Oui, je suis au courant. Oui, j'ai pris plein de photos. Oui, je me suis sans doute... Oui, oui, merci, c'est gentil. Oui, 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 merci, merci beaucoup. Mais c'est très aimable. Merci, oui, merci beaucoup. Mais... C'est gentil. Merci. Merci, voilà, c'est gentil. Oh, c'est génial, c'est Olaf qui est dessus, j'avais pas fait gaffe. Et du coup, j'ai 7 adamantines. 6, 5... Oula. Et... Ah, j'ai des électrums. Les électrums, ça sert à ça. Ok, je l'ai terminé. Je pensais que ça allait être... beaucoup plus épique que ça à la fin. Mais finalement, non. Pourquoi pas. Du coup, je vais garder que celle-là pour l'instant en... Ah. Bah, celle-là m'a l'air pétée aussi. Hein. J'ai pas de fluorine pour la faire EP. Ah, peut-être que je peux faire de la fluorine. Astrolabe. Oh, dis donc. Ça a l'air pété, ça. Ça coûte des trucs vachement... Ah, ça a l'air pété, tout ça, mais...
Elle a coûté énormément cher en... Ah, c'est là que c'est intéressant. Non, j'ai pas de fluorine du tout à faire ici. Très bien. Bon, bah, on... Ah, peut-être que je peux en acheter. Apparemment, non. Ah, quoique. Éclat ardent. Si vous voyez la fluorine, dites-le moi. J'en ai pas vu. Hein. Si, j'en ai. Oh, j'ai combien de sous? Je peux en acheter 10. Je sais pas si c'est suffisant. Crac. Oui. Oh, de l'oricalque. Nice. Très bien, donc. Parce que bon, si elle dépasse les 10 en termes de... Oh la vache de magie, elle dépasse les 10. On peut la finaliser? Wouh! Nice! Ah bah écoutez, elle est pétée. Elle est pétée parce que elle fait presque autant de dégâts que... Ok, très bien. Bon bah... Que demande le peuple, hein? On est bon. Sauvegarde! J'espère que j'ai pas gaspillé des ressources ultra pratiques, mais ultra nécessaires. Hop! Double sauvegarde. J'en ai de sûr. Plus une sauvegarde annexe. Ça, c'est... C'est sûr, on est bon. On saute sur le vaisseau. C'est un navire ou un vaisseau? Comment qu'il dit? Vaisseau. Vaisseau, je crois. Bâtiment! Bâtiment! Et on y va! C'est parti! Ah, bon, j'ai mangé l'île, c'est pas grave. J'ai littéralement mangé l'île, mais ce n'est pas grave. Allez, bon! C'est parti pour la grande bataille finale! Donc aujourd'hui, demain et après-demain, vous aurez des épisodes spéciaux très très longs, que je puisse progresser le plus vite possible dans le jeu, parce que la Anthem arrive. Et ça va être une catastrophe quand Anthem va arriver, parce que si j'ai 20 heures de upload par jour, c'est-à-dire que j'ai 4 heures de tournage à tout péter. Et faut que ce soit en fait, sur ces 4 heures, il faut qu'elles soient bien placées. Et ça va être compliqué. Oh. Je check toujours les uploads là-bas. C'est maudit pirate. Un con mais joli, ho ho. Guys, are you okay? Sora, you're a welcome sight. We've all been quite worried about you. Huh? Isn't that... Faudrait que je les ramasse normalement. En vrai, ils sautent dessus. Where's Jack and Tia Dalma? I'm afraid you've missed a few things while you've been gone. Oh non, pas une demi-heure de cinématique. He's been taken by Cutler Beckett. Yes. And Beckett commands Davy Jones and the Flying Dutchman. Oh. Barbossa thought we could defeat them if we released Calypso, the goddess of the sea, who was really Tia Dalma, bound in human form. But it didn't work. En vrai, moi, j'aurais sauté sur les crabes et je l'aurais mis dans ma poche. Fickle goddess, Calypso B. So what now? Nothing. Our final hope has failed us. Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish for be yours. So. Tia Dalma was Calypso. She's the one who was helping us. And you know what? I think that she might just be able to help us again. You can't give up now. We can all fight together. The sea belongs to everyone. I'll show that. Don't copy my expressions! Huh? You did? Sometimes it just goes in one ear and right out the other. Wait, really? Yes! Maître Gibbs?
Ah oui, c'est ça, il y a Maître, Maître Donald et Monsieur Dingo. It's not over. There's still hope for us. You will listen to me. Oh. Listen! The Brethren will still be looking here to us. To the Black Pearl to lead. And they will see free men and freedom! Our enemy will see the flash of our cannons and hear the ring of our swords, and they will see the courage of our hearts as we succeed and they fail. Gentlemen, hoist the colors! Hoist the colors! Hoist the colors! Aha! L'effet de pluie est toujours aussi magnifique, hein! Allez, c'est parti, on va faire la guéguerre! Avec le Dragon Ball, même si je le mets rarement sur celle-là parce que quand il tombe, bah du coup il risque de tomber sur le Pyrex. Excusez-moi, je vise toujours à côté de l'écran pour éviter, mais finalement ça tombe direct sur la caméra. Donc et j'y participe pas à ça, moi. Je veux, moi. C'est tellement stylé. Non? Oh bah très bien. Ah! Oh, I knew it was you. So that's the Flying Dutchman. The chest Jack told you about has the heart of Davy Jones in it. There's no way it's the chest that you're looking for. No one knows what's in the chest we're looking for. If it's a black box, then we are to collect it. Simple as that. You don't know what's in it, then why do you need it? How will you know you found it? Très bonne question. Regrettably, the higher ups haven't deigned to tell us, but they did say the box contains hope. Huh? That's all you'll get from me. It's far too chaotic to find the box like this. Perhaps I'll remove that ship from the picture. D'accord. Et les hurlements et les cris d'alerte, tout ça, non, y a pas de son? Vous foutez de moi? Et les pièces qui ne bougent pas. Will and the others need us. Yeah, I know. Allez, c'est parti. Du gameplay, c'est incroyable. Ouf. Chaque fois que je tire, la quantité, la gens lui enlève une demi-barre. Oh là. D'accord. Là. Ok. Elle est où la force du Léviathan? Dans mes fesses. Il y en a un autre là-bas. Canon déchaîné.
Woohoo! Ah oui, ça fait quand même masse dégâts. Sur une demi... Hey, je suis trop fort. Il est pas mort. Si, il est mort. Et regardez, il reste un poil de cul de PV. Ah, c'est mon heure. Mon heure de... Ah, merde, c'était mon heure de gloire. Tu fais chier. La bouffe, on t'apprendra. Non. C'était mon heure de gloire. J'aurais pu faire masse dégâts. Ma barre bleue est full. Oh, 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 ça fait mal. Oh, 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 ah, je l'ai eu. Oh. Ce bourrage, on aurait dit Artemis MK2. Marque tout, si vous préférez. Marcus tout. So, you got what you want. Perhaps you're the better player among us. However, I must demand you give that to me. Pardon? You must be mistaken, mate. I'll not be giving you anything. Then I invoke the right of parley. No, no parley. Look around. We're a little busy. And besides, I've already got all that I want, mate. C'est pas noir en plus comme boîte. Mais lol. J'ai plus de la gueule. Yep, still works. Salut. Jack Sparrow, are you lost? Prisoners don't belong on deck. Your station is in the brig. We're here. Oh, c'est nous qui allons l'affronter? Ça peut être stylé, cela dit. Tables have turned, mate. Ah, boy. Just a few more maggots to join. Ah, c'est magnifique quand même. C'est magnifique, faut le reconnaître. C'est pété, ça, mon ami. Merde. Et dis donc, regarde ça. J'essaie de d'apprendre à le parer, mais Donald, merci. Ah, on va essayer ça. Est-ce que ça marche? Parce qu'il bouge plus, d'un seul coup. C'est pas un combat basé uniquement sur la parade. Si, si. C'est un combat basé uniquement sur la parade. D'accord, très bien. Et tant qu'il retouche pas le sol, il se téléporte pas. D'accord. Il y a des mécaniques à comprendre, pourquoi pas. En parlant de mécanique. Tiens, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. J'ai mangé du poulpe speedy, moi. Oh oui, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Je vais pas monter trop haut non plus, hein, y a pas de soucis, hein. Ah, d'accord, c'était la fin du combo. Ah. Allez, saucisson. Oh, des takoyaki. Oh, des takoyaki. Salut. Merde, on l'a pas eu. Oh bah non. Monsieur a fui. Ah. Alors là, t'en prends les dégâts, hein, bonhomme. Ah, il est devenu bleu.
Ah mais lol. Ok, j'ai pu heal tout le monde, plus ou moins. Ah. Oh, Is, tiens, pour ta peine. On va le bourrer avec Oïs. Ah bah là, il va se faire bourrer dans un coin, le pauvre. Oh, le pauvre. Le bourrage du pirate. Le pirate bourré. Le takoyaki bourré. Ah non. Non, pile au moment du bonus. Du coup de grâce. Pourquoi? Oh, puis en plus, ça me l'a niqué. Ça m'a niqué mon coup de grâce. The fuck. Tiens, du takoyaki. Grillé. Du poule. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Habituellement, t'es pas censé être genre... rester là-haut le temps qu'il y a les... Oh bah hey. Là, je crois qu'il est en mode... Non, je croyais qu'il était en mode parade, en fait, vous savez. Ah, t'aimes pas le feu? Ah bah alors? Parce que moi, si j'avais su, j'en aurais... T'es pété avant. T'apprendras. On n'agresse pas un pirate. Tiens, Donald, finis-le. Ah bah non, il s'est enfoui. Non, on l'a eu, parfait. Frappe punitive. C'est Donald qui l'a pu... On l'a eu à coup de feu d'artifice quand même, hein. C'est... C'est assez triste. The chest. Hand it over, Jack. Stay out of this, boy. Ok, ça pue. Parti pour 3 heures de cinématique. Waouh. Adieu l'encodage. Oh, Entai. Il jouait le jeu. Ah, c'est dégueulasse. Et pincement 5. Non. Ah. Horadonna. You'll see no mercy from me. That's why I brought this. Et c'est pour ça que ça n'aura servi à rien. Aïe, aïe, aïe. Oh, ce foot. Ah, love, a dreadful bond, and yet so easily severed. That's not true. I may still have a lot to learn about love. But I know what it means to share my heart with others. And it will take more than you to break a bond like that. What does a whelp like you know about the heart? A whelp has seen far more of the world than you know. What of it? Tell me, William Turner. Do you fear death? Do you? How disappointing. So this is all they meant when they said heart.
We've been chasing the wrong box this whole time. Ah. Petty tonic. Holding life and death in the palm of one's hand. You're a cruel man, Jack Sparrow. Cruel is a matter of perspective. Is it? Il l'a fait, et toi t'as attendu. Bah oui, on allait forcément se prendre une branlée. C'est un peu tard, hein, quand même. Oh, c'est quand même magnifique ce qu'on a fait en cinématique là. Jack, can't we save him? Part of the ship, part of the crew. The Dutchman must have a captain. Elizabeth, say goodbye. C'est quand même ultra stylé. Thank goodness, Jack. The Armada's still out there. The Endeavour's coming up hard to starboard, and I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions. La fuite. Never actually been one for tradition. In we go. It's nothing personal, Jack. It's just good business. Tu vas être dans la merde l'espace d'un instant. Et donc là, les trois navires normalement sont complètement détruits. Bah oui, hein. Les boulets à cette distance, ils traversent le bois, ils traversent le bois de l'autre côté, ils retraversent encore une fois le bois de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils traversent un bateau. Hop, et ils touchent encore l'autre bateau. It's just good business. Donc les trois navires sont détruits. On se met bien d'accord. Enfin bon, ça va être une autre histoire. The Flying Dutchman must have a captain. Just where do now she and Captain Turner must live in different worlds. One day ashore, 10 years at sea. It's a steep price. Well.
Your chariot awaits, Your Highness. Mrs. Turner. Aww. I was a boss. Take care. En fait, il a plutôt les yeux violets, Donald. Jack. Thank you. One day isn't enough time. Well, there's always enough time for hearts to say what's true. Sora, you know better than anyone. It only takes a moment to connect with your mates. With your hearties. Hmm. There's always enough time. And I'm going to find them. J'avais mis tant de temps à les regrouper tous. Putain. Non, j'y ai pas droit à mon bateau. Merde, je l'ai mérité. Gouverneur du destin, qui bien d'accès sur l'attaque, changement de forme au vent, pavillon noir. Stylé visuellement, hein. Le code des pirates. Ces maudits pirates. Un con mais joli. Ho ho. Ah. Axel. Lee. Axel. Lee. Axel. Axel Lee. Hey Axel. Axel. Huh? C'est le même. Hey. Liking the look. Juste à faire tes cheveux. So you gonna try yours on? I don't know. Maybe later. But you always wear the same thing. If it ain't broke, don't fix it. This is how you pick me out of a crowd. I make myself easy to remember. Ouais, t'as tes cheveux pour ça. Hein. Oh, nah, not really. Our training's almost finished. Yeah. Somewhere inside me is Naminé. If we can free Roxas, we can free her too. I guess so. Naminé was made when Sora freed me from his heart. So, now that she's a part of me again, I figured all was right. But she can't look at this forest, feel the wind on her face. None of it. And if she could, it would be different for her. Her time was short, but she lived it, and that makes it hers. What right did I have to take those feelings and experiences back? They don't belong to me. Nothing's as it should be. Not for her or Roxas. I know. Way back when I was a kid, I met this other weird kid. Somehow, we became fast friends. Never saw him again. Nearly forgot about him, too. Then, I met Roxas. Couldn't believe it. The two of them were identical. Oh, I didn't tell Roxas. Didn't want him to go vanishing on me, too. The kid's name was Ventus. He's one of the lost Keyblade wielders we're looking for. Think he's still got me memorized? Oh yeah, very memorized. Now that we're going back, I'm worried about everything. Well, you don't have to worry alone anymore, Axel.
Très bien, très bien. Et donc, maintenant, où est-ce qu'on va? San Francisco? Ah, non. Pas vraiment, c'est pas aussi asiatique. Ça tranche dans le vif, hein. Sympa, la Keyblade. C'est une clé récente, entre guillemets. Celle de Mickey aussi est différente. Elle est stylée, dis donc. Non ! Le roi ! Elle va se planter ? Ah non, même pas, dommage. Oh, il y a un problème, elle aurait dû disparaître avec lui. Mickey ! Qu'est-ce qu'ils ont fait au roi ? Non ! Mickey ! Où es-tu ? Ici, dirait Batman. J'aimerais bien qu'il y ait un nouveau Batman Arkham, mais bon, pas de nouvelles. Je crois qu'il n'y en avait pas un prévu, un quatrième. Je sais plus, moi. Ah, tiens. Ça, c'est pas bon signe. Hey, shut it! Oh, come on! Batman Arkham Crisis. What now? Please, I have created enough victims. Yes, you have. All of the children sacrificed in the name of your research. So make things right. Ben non, apparemment c'est du... D'accord. I told you I did not take her. Her disappearance was why I put a stop to the research. And that makes you honorable? You used Roxas and Naminé and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Naminé. If there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. He said Roxas. Yeah. That man needs us. Right. Yeah. Vous êtes peut-être pas assez fort pour ça. If you do find the girl, what is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel. One concerning the battle we seek between light and darkness. You know something, and that is why you stopped the experiments. You are completely deluded, Xehanort. We shall soon see. Yoo-hoo! Grillé. Excuse me! Who are you? Oh, well, I'm looking for a friend who used to live here. Psst. No one lives here. Be gone. But, sir... No, not one more step. Get out! This way! Oh. Punch! Alors, foot! Et bien tenté! C'est bien tenté. Hainer.
coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. On est encore dans le hentai. D'accord, c'est des... Ok, très bien. The squiggly things? Mm-hmm. Étrange. Pas besoin de réfléchir plus, faut se barrer maintenant. Tu réfléchiras une fois en sécurité. I serve the organization. This is treason. I see what is happening. Have it your way then. Papy, il se fait vieux, hein. Are you guys okay? Yeah, I think. Nobody knows the twists and turns of Twilight Town better than us. You are Roxas's friends. That's right. So you know him too? Oh yes, quite well. Pay dirt. Guess it was worth staking out the old mansion after all, because this guy here is what I call a lead. That's the only proof we have that Roxas was our friend. Tell us about him. We want to know him better. My dear master. No. Who's there? Evan, is that you? So, those nobodies were your doing. I have been waiting for this. Gave up a normal life in order to plant myself in the organization. And when I heard Xehanort had gone looking for you, I realized it was my chance to find you as well. For you see, I too wish to atone. Est-ce vrai seulement? Est-ce vrai seulement? Ok les amis, donc je me suis, oui, changé effectivement parce qu'il faisait froid. J'ai fait quelques niveaux qu'on avait déjà fait pour avoir un maximum de photos. J'ai dû en récupérer plus de 60 au total, donc, enfin pas en 60 tout de suite dans la partie, mais au total j'ai dû en récupérer une 60, un peu plus de 60 normalement depuis qu'on a commencé le let's play, plus ce que je viens de faire là. J'ai dû en prendre une, je dirais une dizaine de plus, une quinzaine de plus à tout péter. J'ai refait tout Thèbes, j'ai refait tout l'Olympe, putain c'était dur. J'ai refait tout le magasin de jouets que j'avais pas fait, il y en avait quelques-uns qui étaient obvious mais que je n'avais pas vu. Et puis voilà. Puis voilà, on y retourne. Et donc là, on va aller vers San Fran de Tokyo. Oh, je suis persuadé que c'est San Fran de Tokyo à la base. Boum, m'en doutais. J'ai chargé dedans en même temps. Mais enfin, bah. Salut. Toujours pété, les mecs, hein. Cherchez pas, hein. Je suis ultra pété, hein. Hop, les. Voilà. Ok. Parfait. T'es limite plus solide que le boss que j'ai fait la dernière fois. Et à tenter. Faut savoir qu'avec ce build, j'ai pas des masses de PV, hein. J'ai beaucoup de puissance. Et en termes de PV, je suis un peu faible. Hop les, rang A. Nice. Il nous reste 48 secondes, donc on était large en termes de temps. Ok, cool. Je vois plus la destination. C'est bon, je vois la destination.
Explose! C'est bien. Morceau de plan. Nice. Rose. Ah, Elite Dangerous, tu as bien changé. Hop les. Et on y est. Nice. Nouveau monde, San Fran Tokyo. Pas pourquoi dans ma tête, c'est San Fran Tokyo. Hein. Peut-être que ça fait trop de Tokyo, justement. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont changé. Je sais pas. Comme à chaque fois, j'imagine qu'on va avoir le droit à une cinématique. Donc le monde des nouveaux héros, les amis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, on arrive dans les films très récents, quand même. On est loin d'Aladdin, tout ça. Oh, wow! Oh, cool! Let's go! No, but I want to take a look at the big city! Yeah, it does seem pretty exciting. I feel so metropolitan. Cosmopolitan? Now what? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. Ouais, je suis pas censé être là en fait, je devrais être allé à la suite du crépuscule. Je suis con. Complètement con, mais... On va devoir aller tout de suite après à la cité du crépuscule, je suis complètement stupide. Ah go, go. Comment il s'appelle Hugo. Oh putain, ça rend bien. On se croirait dedans, une fois de plus. Baymax. Gogo's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. Oh, c'est pas bon ça. Caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool. That's a robot. Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh. Wow. Cool. This rules! Sora, remember our other problem? Whoops! Oh yeah! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora! And I'm Goofy! Ils sont rigolos! Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure. Ah nice. Ah bah aimé le voir courir un petit peu parce que comme il se déplace c'est tellement cool. Waouh. Énorme. En voilà une qui claque. En voilà une qui claque. Let's go Baymax. Ah, c'est... Il nous aide pas, Hiro. Dommage. Faut les esquiver. Il faut de ma gueule. Moi, je vais bourrer, hein. Voilà. On fait beaucoup, des ennemis, là. Bip. Allez, là, faut les esquiver. Tire de couverture. Ah bah, c'est déjà fini. Tiens la couverture. Ah, Baymax, t'es en plein milieu du champ. Ok, très bien. Courage. Hop là. Hop là. Trop de vitesse, je suis trop puissant. Je suis devenu trop puissant. J'ai tous eu. Non, il en reste un. Merde. Hop. Tu ne mourras pas. Ah ouais. Ça y est, on rentre dans le niveau des grosses bébêtes. Ah.
Boum. Alors, tu douilles. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ça va, en paix. Je peux faire des tirs de couverture d'ici? Oh ouais. Tirs de couverture! La voiture qui m'empêche de tirer. Ok, on est pas trop mauvais. Casse pas la voiture, la voiture t'as rien fait. Oh non, je peux pas. On a foudre X. Ouf. C'est pas ce que je voulais faire. Mais écoute, ça marche. Ah oui, vous allez voir qu'ils ont certains équipements qui ont été changés, hein. Je les ai remis à neuf un petit peu, nos alliés. Ils le méritaient. Allez, dégage. Et du coup, on a un petit peu gagné en puissance. En termes de groupe. On a obtenu le vaisseau laser, ça peut être rigolo ici. Allez, c'est parti. Non, c'est bon, j'ai tenu. Finalement, ça va. Imhotep, tout va bien. Décède. Voilà, soin amical. Mais il était temps, hein, que t'aies envie de nous soigner, hein. Bon, c'était un poil facile. Il se pourrait que j'ai un peu trop bourré le jeu et que du coup les prochains mondes soient un petit peu simples. Ça va être rigolo. Mais je me suis bien planté. Mysterious Monsters Attack. Ouh. Not cool. People ça va ta commotion? Not truth. Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? Hein? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chem balls and laser hands and fire breathing. Ah, j'ai cru qu'on allait voir fire. It really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Gogo. Mm. He's Wasabi. How you doing? And that's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster. Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? The, Big Hero 3. Keyblade Hero 3! Keyblade Hero 3. C'était nul. I'm detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So, are we heroes or aren't we? What? The monsters. Tell us how you managed to take them down. Hmm. They're called the Heartless. And they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going to. It's okay. We got it. Mm-mm. We have to help. My brother would have. Yes. Des gens sympas. Great, but don't we need a plan?
We train up. When heroes are brought low, they get new powers. Yu-Gi-Oh time. Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? You put it on your face. Heartless! Donald! Goofy! Are you okay? There's no Heartless here! Huh? But, Whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool! Thanks. But so far the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a mini game. Oh we non, pas un monde à mini-jeu. So we can... Shugyo! 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 So we can Shugyo. Shugyo! 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 I guess Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Ah bah oui, on arrive à la fin du jeu. I can Shugyo by installing new combat data. Huh? Hey! Huh? Let's just try it out. Il a raison, parce que ça commence à faire long. Hein. Vaillance de concentration. Ah bon? Ça a l'air sympa, dit comme ça. Hein. Un intervisé spécial qui ne coûte pas de concentration à votre répertoire. Vous pouvez absorber la concentration des cibles verrouillées. Mais, what? Ça a l'air pété. Ok, très bien. Juste, vérifier un truc. Ok, c'est les trois meilleurs que les trois qu'il y avait déjà et les trois que j'ai en meilleur. Hop. Sauvegarde. Il faut que j'aille voir à la C du Crépuscule ce qui se passe. On a vu que nos potes avaient besoin d'aide. Il y avait une histoire qui s'y créait. Et j'ai un léger doute. En plus, maintenant qu'on est dans la place, on peut s'y retéléporter à notre bon vouloir. Donc, j'ai envie de... d'aller aider nos potes. Disons qu'on va aller là. Exceptionnellement. Quitte à refaire tout le chemin jusqu'à... jusqu'au manoir. C'est vrai que c'était vachement beau cet endroit. Mais genre vraiment. Mais genre immensément beau. Ça me rappelle presque des peintures de Bob Ross. Hop là, c'est parti. Vous connaissez peut-être pas Bob Ross, hein. Peut-être via des mèmes. Peut-être. Ok. Je me rappelle plus c'est par où le chemin. Jack, c'est par où? Ah oui, c'est par là. Alors, on va peut-être aller voir d'abord s'il n'y a pas nos copains qui sont... posté par des endroits. Ah. Oh. Ah. Je disais aussi. Ça ressemblait quand même vachement. Et du coup, on les a peut-être tous. Donc l'Olympe, je les ai tous. Là aussi, je les ai tous. Là aussi, je les ai tous. Les autres, par contre, je les ai pas fait encore. Ah si, les Pirates des Caraïbes, ah bah je les avais tous fait quand j'ai fait le tour des... Ah merde. Le tour des commandes îles, alors. Très bien. Bon, ils sont pas l'air d'être là, les copains. Quoi? Encore? Ah oui, il y en a même deux autres qui sont apparus. Très bien. Je les ai pas du tout fait, les jeux. Mouais. Thank you.
Allez, direction nos amis. Ça se trouve, il n'y aura rien. Hein. Hop là. Allez. Next. La dernière fois qu'on les a vus, c'était dans un de ces couloirs, donc... Non, c'est pas ça. Toujours des photos que j'ai pas faites, hein. Bon, tu sais quoi? Eh, oh. Voilà! Ça, c'est fait. Très bien, on y est. Bon, on les croise pas pour le moment, donc ça m'inquiète un peu. Alors, toi, je t'ai pas eu? Non, n'est-ce pas? Bien joué, dingo. Bien joué. Ah, vous étiez plus difficile à affronter dans le monde de... touché. Oh bah apparemment y'a rien hein. Oh bah autant pour moi. Continuons. Au moins j'aurais eu l'idée d'aller le checker. Mais on les a pas retrouvés donc pourquoi pas. Ok, garage de Hiro, on y va, on bourre le fameux tutoriel. Après tellement de temps dans le jeu, on a encore un tutoriel, cette blague. Non, ok, on avance pas, très bien. Détends. Ready for that Yu-Gi-Oh, Sora? Eh mais parlez à Hiro quand vous serez prêt, d'accord. Je suis prêt. Shout when you're ready, Sora. Allons-y. Me dis pas que toute la zone c'est que du espèce de races de course à travers la ville. Ça pourrait être intéressant hein, si c'est bien fait. Hein. Faut pas que ce soit comme le vaisseau Gummy quoi. C'est vraiment bien fait. Le vaisseau Gummy c'est un peu daté comme concept en fait. Hein. On a par exemple des Starling Battle for Atlas qui sont beaucoup mieux faits et qui sont maintenant même sur console portable, sur Switch, tout ça. Ah bon. Pfff. Alors en plus, si tu me vends du rêve comme ça... Attention, parce qu'en vrai, il est censé avoir des coudières et des genouillères et des brassières. Hein. Ça c'est cool par contre qu'il te regarde comme ça. Ok. Pas de soucis, c'est une course ou quoi? Ah non, d'accord, ok. D'accord, ok. Allons-y. Ah, la police d'écriture. Non, c'est pas ça. Ok. Ok, très bien. Ah, il y a un temps. Ok. J'en ai loupé un paquet. Ah, c'est chier. Je suis mauvais. Très bien. Bonne sur moi. Et comment je fais? Comment je fais? Changer de rampe, triangle. D'accord, ok. Ok. Par là.
Ok. C'est pas vraiment ce qu'il fallait faire. Ok. Et maintenant, on saute là-haut. C'est énorme. Qu'il soit là, c'est énorme. Ok, très bien. Ouh, nice. C'est intéressant. C'est que ça, d'accord. Aha! Comment ça, tu l'avais pas programmé? Ah! Ah! Ok. Apparemment, je suis fou. Oh, d'accord. Ok. Très bien. C'est quoi cette question? Ah, c'est parce qu'elle envoie ses balles de peinture. D'accord. Hein? Ah, d'accord. Donc, on est d'accord, ils volent. Ok. Parfait. You are near a goal. Ah, allez, reviens. Hop là. Ok. Très bien. Ok, 40 000 points en 3 minutes, c'est peut-être pas terrible finalement. Mais bon, je m'en bats un peu les couilles, à vrai dire, du score. C'était assez fun en fait, surtout ça qui m'intéresse. C'était même carrément fun. C'est stylé visuellement, c'est ultra stylé visuellement. Non, pourquoi j'essaie de kibler de là? Ah, ça y est, ça veut dire qu'il s'est approprié l'endroit. Interesting. Gravity. Not binding. Ah, c'est parce qu'il fallait qu'il tire avec celle-là. D'accord. Hey, wait. My laser hands can be projectiles. Ah, c'est vrai qu'on est peut-être un niveau au-dessus par rapport à eux. Change the weapon, change the attack. Ah. Whoa. A freeze attack. Fire and ice diametrically opposed. Or so we thought. Il est con. Il est complètement con. Pourquoi pas? Thanks, Sora. That should be enough data. And I think you sparked some new ideas. C'est mignon qu'ils parlent tous en même temps et des couleurs différentes. En plus sur à moitié le thème du jeu. Stitch! Nice! Ah j'adore Stitch. Et c'est la vague plasmique. Avec X pour tracer des lignes et créer des zones à risque autour de l'ennemi. Et bien sûr, pour tracer les lignes aussi bien dans les airs qu'au sol.
La pièce triangle pour infliger des dégâts à tous les ennemis spécialisés dans ces zones. Waouh, ça a l'air pété. Ça a l'air pété. Choix à utiliser, mais pété. Ça me rappelle un petit peu, peut-être un petit peu trop même, je dirais, celui de Ralph, qui était un peu chelou à utiliser finalement, hein, construire un mur. Ouais. Sur le papier, je trouve pas ça intéressant. C'est bizarre qu'on a le thème de... Et vous imaginez s'il y a une suite et que ça incorpore ces trucs-là ? C'est énorme ! Si ça incorpore ces changements-là, c'est absolument épique. That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Oh, breaking news! The city's South District was attacked by numerous unidentified creatures. Witnesses described losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. City police are urging citizens to stay at home. For those just joining us, only minutes ago, the South District was attacked by... Go time! Yes! Ok, très bien, intriguant. Et ben les amis, on va se laisser là pour ce super méga épisode de La Mort qui Tue. Moi je vous retrouve dans le prochain pour la suite des aventures de Sora dans le Nago dans l'univers des nouveaux héros, Big Hero 6. Et on continuera sur un autre épisode ultra long normalement. En tout cas, à demain, et merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus, à la plus pour d'autres aventures. Salut les gens!